Bonjour à vous, chers abonnés. Aujourd'hui, je vous emmène dans un château, dans un manoir qui s'appelle Mutilation. Alors, il ne reste pas beaucoup de choses à l'intérieur, mais je pense que ça suffira largement pour en profiter et d'en prendre plein les yeux. Alors là, je ne vais pas rester une plombe dans ce lieu, car il y a des paysans autour de ce lieu, donc forcément des agriculteurs. Regardez-moi ça. Et apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, les agriculteurs surveillent ce lieu. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Alors bon, je suis très 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 loin de chez moi. Je sais pas ce que c'est ça. Oh, les toilettes. Je suis donc très très loin de chez moi, mais il fallait que je vienne à tout prix ici, le visiter. Ouais, vraiment, on est vraiment des trucs super super sympas quoi. Alors bon. Il n'a pas trop été visité justement. C'est un peu le bordel. C'est quand même vachement retourné. Ah ouais, je pensais pas. Ah, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Comme à chaque fois, hein, de toute manière, dans tous les lieux qui sont laissés comme ça, littéralement à l'abandon. Eh bien, il reste énormément, énormément d'affaires. Alors bon, c'est vrai qu'il y a même par chance, malgré que ça ait été retourné, c'est quand même sympa. Alors bon, comme à chaque fois, hein, il reste encore tout en place. 2013, l'alcool. Ah, c'est quand même le bordel, quoi. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Alors, je pense qu'il y a des gens qui doivent venir s'amuser. Il y a des gens qui doivent venir s'amuser à tout retourner, à tout fouiller, parce que moi, bon, du coup, ouais, forcément, ça a été fouillé. Ben oui. Alors bon, je prends jamais les photos parce que j'ai pas l'habitude de prendre les photos. Monique, il est marqué Monique. Bon. Alors, c'est vrai que il faudrait raconter l'histoire de ce lieu. À chaque fois que je devrais visiter des lieux, il faudrait que je raconte systématiquement. Alors je sais, on me l'a demandé. Sauf que là, eh ben, pour arriver à savoir exactement ce qui s'est passé, très sincèrement, ça va être très très compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a des, il y en a certains qui vous racontent des histoires, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Il y a des lieux où finalement, il ne s'est pas passé du tout ce qui a été dit. Hein. Il ne faut pas rêver. Je préfère le préciser quand même. Ah, cette pièce est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah ouais, regardez-moi cette grande grande salle. Alors j'irai pas trop vers les papiers parce que c'est souvent là où il y a des indices. Ah, c'est hallucinant quoi. Avec ces vieilles bouteilles. Ah, et cette vieille télé, là aussi, c'est pareil. Alors, manoir mutilation. Ben, sincèrement, je mettrai peut-être dans mes commentaires, en fait, réellement, si j'ai trouvé des indices. Oh, la cuisine, elle est vraiment horrible.
Bon, là, c'est même pas la peine. 2013. Bon, ça fait pas si vieux que ça, en fait, hein, qu'il est laissé à l'abandon de ce lieu. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais bon, voilà. Encore des beaux objets. C'est l'histoire. Ah, c'est bien ça. Il faut pas qu'il y ait de noms dessus parce que s'il y a des noms. Marie. Décédée à son domicile. Propriété, ouais, mais ça c'est un acte notarial, ça. Aucun ascendant, aucun descendant, il n'y a pas de. Ah voilà, c'est pour ça. Aucun ascendant, aucun descendant. Son ami survivant, sûrement, comme un bien égard. D'accord, donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi ce lieu est laissé complètement à l'abandon. Parce qu'il n'y a justement pas de d'héritier. On va monter à l'étage. C'est pour ça que j'ai dit je vais. Mais tu fais bien. Cette entrée est vraiment très très belle. Oui, moi je vais prendre les photos après. Alors bon, certainement très handicapé, hein, parce que vous voyez, donc peut-être que ça a peut-être un rapport quand on parle de mutilation. C'est vraiment très très grand, ouais. Bon là, après il y a toujours des petits coins, des petits recoins. Donc là, ce sont plus des toilettes. À mon avis, oui, c'est ça. Alors bon. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme je le dis à chaque fois. Alors, il est quand même, ce manoir ou ce château, il est quand même vraiment en plein milieu des bois. Hein. Des bruits. On arrive à entendre des bruits, je sais pas ce que c'est. Comme des claquements. Cette pièce est vraiment très très belle. Ah ouais, et franchement, elle est magnifique cette pièce. Voyez, encore avec pas mal de bibelots. Alors c'est vrai que je suis quand même relativement à l'écoute. En même temps que je vous parle, je suis obligé d'être à l'écoute. Parce que malgré qu'il soit en pleine forêt, si le paysan décide de venir faire son tour, ah ouais, d'accord. C'est vraiment quelqu'un de très handicapé, en fait. Là, on est en train de vraiment de se rendre compte que cette personne avait vraiment des problèmes. Des problèmes de motricité. Ah oui, vous voyez, devant le château, là. Avec des enfants. Ouais. Toujours les vieilles télé. C'est vraiment magnifique ça. Quand on voit ça, c'est vraiment magnifique. Pour les gens qui aiment encore tout ce qui est vraiment ancien. Une vieille, vieille cuisine. Bon alors là. Donc si je trouve quelque chose,
Enfin, je floute, forcément. Société suisse d'assurance. Il y a trop de noms dessus. Je peux pas. Je ne peux pas vous le faire voir. Allez, on va monter au dernier étage. Alors, ça reste quand même très sombre. Ça reste très sombre parce que la plupart des volets sont fermés. C'est toujours pareil. Il y a des urbexeurs qui sont venus. Ça sent très mauvais là-dedans. J'irai pas plus loin. Et du coup, qui ont fait des mises en scène. Bon, là, c'est que des meubles. Avec forcément des vieilles photos, encore une fois. Voilà, vous voyez, ça c'est une mise en scène qui est magnifique en même temps, hein, parce que là, avec les chapeaux, les parapluies, c'est vraiment magnifique. Donc à mon avis, il y a dû y avoir une pause ici, une pause certainement d'une personne X, simplement pour faire des photos. Ah oui, on retrouve vraiment encore, voilà. Ouais, donc c'est vraiment une personne très très voilà, vraiment malade. Hein, parce que là, quand on voit ça, c'est normal. Ça, c'est des vieux téléphones aussi, c'est pareil, les écouteurs. Ouais, j'ai vu diplôme professionnel, à mon avis, je vais être obligé de flouter ça. Parce que chaque indice. C'est même pas la peine. Parce que bon, maintenant, comme on sait que il y a énormément de gens qui détériorent, qui dégradent, qui foutent le feu, qui font du grand n'importe quoi, du coup j'essaie vite, mais vraiment j'évite de laisser un maximum. L'indice. Donc là, il n'y a rien. Et ben on va terminer par le grenier. Quand même vachement surprenant avec un Velux quand même qui est quand même récent. Ah oui, d'accord. Oh là là, ça c'est une chambre d'enfant ça. Ouais, c'est une chambre d'enfant. Ah, oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique quoi. C'est, vous voyez, avec les posters. Passionné de voiture, forcément. Alors, allons faire sa chambre ici. Alors, grenier. Donc, avec rien. Parce que de toute façon, c'est là aussi, c'est pareil. À moins de trouver une perle comme la chambre d'enfant. Par contre, la toiture, elle est saine. Hein. Bon, là, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais redescendre faire mes photos. Une petite vidéo aussi. Voilà, je vais redescendre complètement. Exceptionnel en fait, mais vraiment magnifique. Hein. Quand on voit aussi la tapisserie, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Voilà.
J'espère que vous aurez aimé la vidéo, qui dure à peu près une quinzaine de minutes. C'est vrai que j'en fais toujours pas plus, il n'y a rien à faire. J'espère que vous me voyez. Je vais aller me positionner plutôt alors dans la salle, la grande salle. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Ça évitera de prendre tout le temps le panneau LED. Voilà. Et bien encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis sur un autre spot, bien évidemment. Alors bon, là, on a commencé la rentrée, hein, forcément, pour plein de monde. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai comme à chaque fois, parce que bon, j'y réponds systématiquement. Sauf quand j'aurai un peu trop d'abonnés, bien sûr. Et puis, bah, écoutez, vous voyez toutes les lunettes qu'il y a là-bas ? C'est pas mal. Allez. Petite bibliothèque. Je vous quitte là.